Ok, petite game viewer. Ils ont remis le double tank. Putain, les gens qui sont pas au courant qui viennent sur mon live, ils doivent se dire mais c'est quoi ce jeu de con là? Pourquoi il y a trois tanks? Non, c'était de la sélection libre. Sélection libre, tu peux prendre autant de tanks et de DPS, de heal que tu veux. Voilà, c'est le mode de jeu qui veut ça. Mais le mode de jeu normal d'Overwatch, il y a toujours qu'un seul tank. Rassurez-vous, les amis. Ok, vous voulez venir en Game Viewer? Vous voulez venir, vous voulez pas venir, c'est pas mon dos. Vous faites ce que vous voulez. Maintenant, vous pouvez venir si ça vous chante. Allez, venez. Venez. Et normalement, comme j'ai un bon setup ici, si je fais ça, voilà. Vous pouvez changer votre icône de joueur en fonction de votre niveau de jeu. Bon, c'est l'ancien logo de Master, je sais, mais... on comprend. Sélection libre en enquête. Ouais, tout à fait. Alors, les PP, c'est super simple pour rejoindre. Vous avez juste à regarder le clip qu'a mis Kiki dans le chat. Et si avec ça, vous savez pas comment rejoindre une partie personnalisée, je ne peux rien faire pour vous. Parce que là, tout est expliqué. Ok ? En gros, c'est tout con. Vous mettez le nom de ma partie, donc c'est Anae. Et vous allez en partie personnalisée, vous tapez Anae, puis vous trouvez ma partie, vous faites clic droit, rejoindre la partie, puis voilà, vous êtes dedans. On va faire plus simple comme concept, en fait. Et n'oubliez pas de changer votre icône de joueur en fonction de votre niveau de jeu, bien sûr. Et moi, je vais mettre diamant, du coup, comme j'ai régressé. J'ai régressé, la team. Vous savez, c'est pas grave. Hein. Ça arrive d'être nul. C'est pas une fatalité. Voilà. Je suis diamant, maintenant. Oh, bestial padré. Hey, Pac, s'il y a Overwatch à la Zilane, tu participes ou pas? J'aimerais trop voir des gens d'Overwatch à la Zilane, ça me ferait trop plaisir. J'aimerais trop. Diamant, cake, trop nul. Ouais. T'inquiète. T'es caté. Pourquoi pas? Et s'il n'y a pas Overwatch, pas du tout, quoi. Par contre. La première game depuis 2 mois, let's go! Il faut... La meuf est bourrée, putain! Mais... oh, le flexeur! Vous avez vu, Aza, il a mis le logo de la saison 3 d'Overwatch. Vous voulez que je flex ou pas? Parce que moi aussi je l'ai, le logo de la saison 3. Ah, j'étais là depuis la saison 3 d'Overwatch. Ah ah! Et il y en a qui ont carrément le 1 là. Ça c'est vraiment les OG. Moi j'étais pas là. Ok? Il y a la saison 2 et sinon saison 3. Moi je l'ai et après j'ai tout. Il n'y a pas eu l'annonce des jeux encore pour l'instant. Mais tu le sauras bien assez vite, je pense, si tu t'y intéresses. J'ai la S1, mais bon, c'est pas un concours. Ah, brasse, flexeur. Ah. Et j'ai jamais débloqué ça aussi. Ça, c'est triste. Hein. J'ai jamais débloqué le top 500. Pourtant, je comprends pas, je suis un monstre au jeu, mais bon, bref. Je comprends pas. Je suis un monstre, en fait, donc bref. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais chaque saison a un logo de map différent. Ah oui, d'accord, oui. Donc là, on a Helios, là, on a Route 66. C'est vraiment l'information que tout le monde a compris. Mais je trouve ça stylé. Ou alors des capacités. Tiens, ils ont fait ça. Je pense qu'ils étaient en manque d'inspi, là, quand il y avait plus de map. Ah ouais. Ah ouais, ok, ouais. Ils étaient en manque d'inspi. Ils avaient plus de map. Putain, 35 saisons, ça c'est immense. Je m'incruste, mais y a pas de souci, Sofiane. Alors, juste, ouais, t'es en viewer, t'es en spec, mais t'inquiète, je te bouge après, ok? Regarde la saison 30. J'étais pas là pour la saison 30?
Oh là, mais il y a tellement de saisons, what the fuck? Mais c'est où? Ah, c'est le casque de Razer. Est-ce que je l'ai vendu? Où est-ce qu'il est, ce casque? Est-ce que je l'avais reçu de Razer, c'était trop mignon. J'avais reçu ce casque à l'ancienne, c'était génial. Je l'avais porté à un moment donné en live, c'était marrant. Où est-ce qu'il est? Est-ce que je l'ai encore? Je crois que je l'ai vendu. Je l'ai vendu. Je l'ai vendu parce qu'il prenait la poussière dans mon placard, je comprenais pas. Enfin, j'allais rien en faire, donc je l'ai vendu. Et j'ai bien fait en vrai parce que moi je trouvais que le son était pas ouf. Et il était pas du tout pratique. Et j'aimais pas. Enfin, je trouve ça un peu. Je sais pas. C'était pas mon style, on va dire. Mais effectivement, je l'ai eu dans ma vie. Ça y est, ça me fait mal à la tête. Ok, alors on va équilibrer la game. El Padre top 500, ok. Datko, espèce de flexeur, saison 2. Datko, t'es combien toi? Ouais, ok, diamant, diamant. Ouais, je vais te mettre. Écoutez, alors low pick, le problème c'est qu'il y a low pick, donc on va mettre Sins en face. Et on va peut-être rester comme ça. DBK, t'es combien toi déjà? Ah, toi t'as pas joué depuis longtemps là. Ok, ça va, c'est bien, ça va équilibrer. Bon, écoutez, on peut tester comme ça. Hein, on n'est pas des bêtes. Je suis un peu master dans mon cœur, donc ça va le faire. Allez, c'est parti! Ah, oh, waouh, Pac, merci pour le niveau 1. Hashtag justice pour Justine. Merci pour le sub, le cinquième mois. Merci, le Pac. Tu sais, quand tu veux rajouter de la texture dans un jeu, t'es. On est obligé de te télécharger ou quoi? Un pack de textures, c'est. Allez! Ça repart. Je peux faire un jeu de mots avec toutes les personnes qui sub. C'est une bonne idée, ça. Attendez, je vais le faire avec les anciennes personnes qui viennent de sub. Les 70-30 d'année. C'est difficile. Urag. Restez près de moi. Je vais régler cette affaire en moins de deux. Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Bon, après, J'ai pas dit que ce serait à chaque fois stylé, quoi. C'est son week-end en plus, week-end de Pâques. Oh! Attends, celle-là, elle est pas mal! Elle est pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Week-end de Pâques, lol. Lol! Lalé, Kicksters! J'aurais peut-être dû prendre damage. Comme on a un top 500, non, comme on a un master en face là. Mais bon, après c'est un Lucio donc. Tu veux quoi toi? Vas-y, viens! Ah, il fait trop le. Je vais te focus, Lucio, tu sais quoi? Si vous voulez venir en Game Viewer, n'hésitez pas. Hein. Il y a le petit tuto point d'exclamation PP. Si vous savez pas comment faire, vous pouvez vous mettre en spec. Et puis je vous move après, ok? Non, le week-end de Pâques, moi je trouve ça pas mal. Vous faites Pâques, vous? El Padre! Pour les stations PP,
Ça va vous casser les couilles. Vous êtes 4 heures, écris-moi les sanctions PP. Oh là là. Pas mal. J'ai bien aimé. Eh ben non, hein, c'est pas pour l'exclamation PP, c'est pour l'exclamation PP. Eh, pour l'exclamation PT. P et P, ça marche pas. Je vais me transformer. Je vais me transformer en Dark Knight. Ah ! Oh ! Mais pourquoi il tombe pas dans le vide ? C'est quoi ce jeu ? Me faites un patch, Blizzard ! Il meurt ! Ok. Non ! Non ! Merde, merde. Le pack de bière. Oui, je lui fais sa fête. Merde, le pack de... On peut faire tellement de jeux de mots avec ton pseudo, je suis choquée. Pack de bière. Le week-end de Pâques. Pas cap. Cap ou pas cap. On a les 6 ultes. Non, on a les 5 ultes. Là, normalement, nous sommes des stars. Si je peux me permettre. We are stars. Alors techniquement, c'est plus bizarre mais Freakrosoft. Alors logiquement, c'est pas encore bizarre qu'à l'entreprise là. C'est Microsoft. Bientôt Overwatch sur le Game Pass. Ça va être stylé en vrai. Enfin j'espère. J'arrête pas de heal. Elle va ult, je vais la dodo. Ah ! Je l'ai tué ! Je l'ai tué avec le slip ! Est-ce que vous tuez des phares avec vos slips, vous ? Je crois pas. Oh merde ! J'ai Nano, la mauvaise personne. Toi, tu dors ! Oh, merci. J'ai fait un roll-out de zinzin grâce à la boule. Oh, si Zenyatta meurt pas là, je sais pas comment je m'appelle. Purée. Vu l'odeur des miens, c'est possible. Ça me dégoûte. Crois trop au Père Noël, lui. À croire que je veux pas le tuer, alors que j'ai Anna. La mort. Ce n'est qu'un au revoir. Non, uniquement avec des boxers. Avec mon slip, oui. T'imagines, t'es là, in-game, en train de jouer. Tu balances ton slip comme ça sur les gens. Oh, ça doit être perturbant, hein. T'es là, t'es en train de te battre. Il y a le mec qui lance son propre slip sur toi. Ah, forcément, ça... Ça fait bugger. Ça fait bugger, t'es en mode... Oh, et quoi? C'est comme le débat de se battre avec quelqu'un qui est nu. C'est trop compliqué. Pour moi, je fuis, en fait, je pense. Après, moi, en vrai, même quelqu'un qui veut se battre devant moi, je pense que je cours, quoi qu'il arrive, en vrai. Ligue du héros, saison 11. Il se bat avec son boxeur. Oh,
me dégoûte. J'ai hâte de voir ce que Overwatch va faire pour le 1er avril. J'espère que ce sera pas un remake de l'année dernière. C'était très marrant ce qu'ils avaient fait, mais j'espère que ça va être nouveau chaque année, tu vois. Comme ça, c'est vraiment unique. Oh, les poissons d'avril. Macri qui meurt 3 fois dans le vide, le pauvre. Ah ouais? Putain, j'ai pas vu ça. Faut que je trash talk mes teammates un peu plus là. Alors, guys, réveillez-vous. Tu cours vite. Moi, je fais pas de marathon, moi, je suis une sprinteuse. Donc, si tu veux, je cours vite sur 100 mètres, puis après, je m'essouffle. Et après, je dors. Donc, faut pas non plus qu'ils me coursent pendant plus de. Ouais, 100 mètres. Les Google Eyes, moi j'aime bien les Google Eyes. C'était marrant. Ce n'est qu'un ciao. Non, dommage. Le mur. Dommage. Salut Kemar. Chouan. Merde! Ah non! Ah oui! Je savais pas où j'étais dans l'ult. Putain, les hamsters, ça me terrorise. Nice, le point. Elle est où la Widow? Elle est en bas. C'est BK et Wan. On n'arrive pas à le faire, c'est trop chelou. Ok. Nice. Kaku kaku, salut Wad, salut Over. Kaku kaku la team. Kaku baka. Alors attention, Nade. Nul. Vite. Non. Oh, à la res. The non-dream. Ok, allez, on regroupe. On regroupe la team. Il avait son ult. That cocky switch Winston avec son ult. Quoi? Ah bon? Mais c'est The Non-Dream là. Pourquoi on a switch Lazaria? Oh non. Résurrection, merci. Ouais, en vrai, 3-0, je pense que c'est juste déséquilibré. No way! J-pep! J-peps! Salut Neran! Nero! Bienvenue à toi! Ok, bon, bah on perd, ok.
action de la partie. Ouais, comme par hasard. Comme par hasard, c'est toujours Pharah. Et d'ailleurs, j'étais pas le POTG sur la game. On m'a dit que je serais POTG là. J'ai fait 3 kills avec Anna à un moment donné. Et bah, pas de POTG. C'est le Izu. Attendez. Attendez voir. Oh non. Ok, Azrod. Zofia n'était pas là, ok. Alors. C'est parti. Look. Gabray, Aza, Sins, Debeka, Over. Over, il était là ou pas? Over, t'étais là? Non, ok. Alors, vous pouvez rejoindre pour ceux-mêmes qui ont été kick à l'instant. Vous pouvez revenir. Sans souci. Sans saucisse. Pas mal, celle-ci. De blague. Oh, il est midi. Attendez, il faut que je fasse un post Insta. J'ai oublié. Un petit post Insta, ça fait longtemps. Ok, alors, on va essayer d'équilibrer. Comme ceci. J'ai pas envie de mettre trop pack dans la sauce non plus, mais je pense que ça peut le faire. Oh, peut-être comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez là? C'est équilibré ou pas? Oh, c'est très... Oh, Lyra! Le petit message gentil. Le grand message gentil. C'est forcément agréable d'avoir quelqu'un. Un peu de contenu, vraiment, mais vraiment divertissant. C'est très gentil, Nira. Nira, merci beaucoup. C'est très sympa de ta part. Ça me fait très plaisir. En tout cas, je suis motivée à continuer ce que je fais tous les jours. J'aime bien. Et si ça peut faire plaisir à des gens, c'est le principal. C'est ce que je me suis toujours dit. Je continue tant qu'il y a des gens. Et puis, si un jour il n'y en a plus, bah, c'est pas grave. Je ferai autre chose. Et tant que ça plaît, c'est chouette. Ça fait vraiment plaisir. Courage en tout cas. Pour les insomnies. Alors. Est-ce qu'on va sur une pointe de contrôle ou pas? Mais vas-y, je suis trop hype là. Le mois d'avril, ça va être un banger. Ça va être un banger, il y a tellement de trucs là. J'ai trop hâte des mises à jour d'Overwatch. Il y a le mode clash, il y a le nouveau perso. Il y a la Zilan, il y a tout plein de jeux. Je suis trop hypée. Je suis trop hypée pour le mois d'avril. Le 1er avril. Tout. Ça va être marrant le 1er avril. Merci de nous faire voyager avec les accents différents. De rien. Ça m'a fait plaisir. Alors, j'ai fait un nouveau post sur Insta. Pas tout de suite du coup, c'est en train de se publier là. J'ai pris un petit selfie dans la rue. J'ai pris un selfie dans la rue. D'habitude, je suis timide, mais là, je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse une photo. Donc, j'ai levé mon téléphone, j'ai pris une photo. Et en plus, elle est pas si mal, la photo, je trouve. Il y avait un joli mur derrière et tout, je trouvais ça sympa. Du coup, j'ai fait un post Insta. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour messieurs dames. C'est horrible. Comment allez-vous? Nouveau poste. Alors on peut choisir le perso, j'ai lancé la game. Hein. Petit post Insta en légende quoi. Nina, do you know? Arrête ton ASMR. Non, j'aime bien en vrai. Le mec est fan de l'ASMR. Moi, j'ai un petit crush pour l'ASMR, des fois. Mais tu sais, c'est l'ASMR
Après, les gens qui font de l'ASMR, généralement, ils chuchotent parce que justement, c'est calme comme ambiance. Donc, ils vont pas commencer à parler normal alors qu'ils sont en train de faire des petits bruits ultra. Donc, c'est normal. Mais je préfère généralement l'ASMR. Moi, les billes de bois dans l'eau, j'adore. Les billes de bois dans l'eau. Voyez ou pas? Ah non, mais pas qu'il prend des PS, quoi. Après, il prend Torb. En vrai, ça va. Non, en vrai classique. En vrai, normal. Connard! Blue Square. C'est vraiment super sympa comme message, Nira. Ah, je vais mettre ça. J'ai pris une photo dans le froid. J'arrive. Ok. On nous voit pas sur Insta, sur le check bien sûr, n'hésitez pas, j'essaie d'être actif sur ce réseau qui n'est pas très intuitif pour moi. Mais je fais des efforts. ASMR paix dans l'eau. On n'est jamais allé à la piscine, Kalem. Chose, je suis sûr, on va à la piscine, il va péter dans l'eau comme un hippopotame là, ça va être horrible. T'inquiète, Pac. T'inquiète. Là, si il switch pas très sœur, franchement. Ah non, mais c'est pas. Hey, garde ton burn, hein. Anaï a stick pack. OMG, je tue ce joueur professionnel sur Overwatch. Avec son propre personnage. Il joue très sœur, on est d'accord. Hein. Ah! Oui, il me semble que oui. En tout cas, ça lui arrive. Je suis timide avec ma brioche de trentenaire. Oh! La fameuse brioche des trentenaires. Je pense que tout le monde passe par là, en vrai. Parce que je pense que ton corps, il est sympa avec toi au début de ta vie, mais à force... Il est plus autant en capacité de pouvoir tanker les repas de merde. Donc quand tu commences à mal manger et tout, bah il te le fait comprendre quoi. Il te le fait comprendre. Ouais ok. Moi j'ai la shape de Gru, de moi mèche. Moi je suis méchant. Arrête. La shape de Gru. C'est horrible. Le pif à la limite. J'ai essayé de le stick à nouveau, mais ça n'a pas marché. J'ai la shape d'un Oompa Loompa. Oh non!
très particulier quand même. La shape d'un Oompa Oompa. Après, ils sont stylés. J'aime bien leur coupe de cheveux. Je mange autant de chocolat que... Oh, pardon. La réaction premier Doug. J'arrête d'être premier Doug, putain. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Du méchant dans Dune. Le méchant dans Dune, il est quand même... il est particulier, lequel ? Le mec qui aspire des cerveaux, là ? Non, j'invente. J'invente. Bon ! Ah, oh, j'allais le prendre. Je prends oui, tout. Je mets des têtes. Vladimir, ah oui. Toujours Vladimir, hein. Oh non ! Putain, trop relou, Lucio, qui est venu me boop. Putain, Kiki, il est trop chaud, il a traversé la map tellement vite qu'on l'a pas vu. Ah ouais, ouais. Dingue. J'aurais tellement pu le buter. Chassez-les de l'objectif. La distance n'est pas un obstacle à ma précision. Merci. Un peu. Un peu, on va pas... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est parti de tellement haut. Anna, au rapport. Je suis attaquée. Pitié. Ah, il m'attaque pas. Oh, il m'a pas terminé. Incre. Sans cheater les nouveaux skins invisibles de Lucio, non mais c'est clair. Putain, mais le Lucio en face, il est monstrueux quoi, c'est inquiétant presque. Bref, on le voit même plus quoi. C'est quoi ce bug de fou là ? Encore. Non mais Lucio peut se TP. La Kiriko no TP. Mais c'est un cauchemar ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je peux pas monter sur le mur. Je suis en 11-11. Hop là. Et c'est sympa cette game. Oh, OMG, on va peut-être gagner la game. Allez! Allez, on y va! Tellement une lucky. Je suis en 11-12. Ah, GG, hein. Franchement, c'était close de ouf. Moi, je pense que le MVP de votre game, là... Je pense que le MVP de la team adverse, c'est Kiki. Kiki qui a pas arrêté de me poupe dans le vide. Donc non, c'est fou. C'est fou.
Bon, bref. Double boop de Sin, ça c'est solide. C'est Hollywood? Non, c'est nul Hollywood. On va aller sur... Putain, j'ai envie d'avoir des nouvelles maps, là. Donnez-moi des nouvelles maps! Je veux... Oh, je sais ce qu'on va faire. Je sais. Je sais ce qu'on va faire! Ne dites rien. Ne dites rien, personne. Alors, vous êtes plutôt quoi? Vous êtes plutôt colonie lunaire? Vous êtes plutôt Anamura? Plutôt temple d'Anubi? Ça se passe comment de votre côté? Oh, mais temple d'Anubi. Non. J'hésite. Anamura? Vous voulez aller au Japon? J'allais dire un truc un peu limite. Allons au Japon. Domo arigato gozaimashita. C'est parti. C'est vrai que c'est une belle map quand même. Hein. Permettez-moi de jouer Widowmaker. Je vais jouer Widowmaker, je vais leur rouler dessus. Ah, c'est gros naze. Non, je déconne, en vrai, si tu veux jouer Widow Frium, vas-y. Salut Noah. Oh, je vais jouer lui. Avec un autre skin. Père Tourelle. Motard. Mani. Cuirassé. Barbe Rousse. Père Tourelle. Ok. Alors les amis, je vais vous poser une question très très simple. Est-ce qu'on peut passer à droite sur Anamura pour sortir du spawn? Est-ce qu'on peut passer à droite? Oui, non, peut-être. Alors, est-ce que le jump est faisable? C'est vrai que je dis que je suis un excellent... Moi, je crois qu'en prenant de, en prenant de l'élan, je suis sûr que ça marche. Hop! Trop facile! J'étais persuadée que ça allait pas le faire. Mais c'est parce que tu m'as dit d'appuyer sur eux, sinon j'y allais sans appuyer sur eux. Ah, elle me manque, elle me... C'est la nostalgie, cette map. Vous voyez, c'est la nostalgie. Non pas que c'était mieux avant, mais plus en mode... Ah, ça me rappelle des choses. Tu veux quoi, toi? Connasse. Oh. Où sont les adversaires, Kiki? Kicksters? C'est le qui, c'est le ka, c'est le caca. Wobble leaf. Là-haut, là-haut, là-haut. Ah, oh là, l'envoi de maître. J'ai joué sur cette map toute ma life. Ça se voit. Genre. Tu veux quoi, toi? je m'appelle... je m'appelle Pac, je suis pas content. C'est bon, non? Il est pas content, mais il s'appelle Pac. Pas content. Je m'appelle Pac, je suis pas content. Je m'appelle Pac, je suis pas content. Eh, c'est bon. On a compris. J'ai envie d'aller me chercher une saucisse. Saucisse. Une petite saucisse. Objectif perdu. Nouveau point à défendre. T'es pas capable. Ah, pas capable. T'as loupé ta vanne. Dommage. T'es pas capable. Non, ça marche pas. Vanne foirée. On passe à autre chose. Un peu horrible.
Ah non, ça pue la merde là. Non! Phénix bleu qui meurt de ma lave. The Dream. Je me fais raise. Dommage, go next. Vous l'avez, c'est ce qui compte. Ouais. Là-haut! Hop là! Et je parle pas du film Disney. Oh, ok, bon. Ah, c'est Pixar. J'ai jamais compris là. Si je sais pas. J'ai pas la ref. Ah, c'est Pixar, j'ai raté ma vanne. Bah voilà. Là, c'est le quart d'heure des vannes foirées, là. Eh, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Le logo Snapchat. Qu'est-ce qui... J'adore l'émoji. Ah! Il a détruit ma tourelle! Pétasse! Il est one pack. Moi j'aimerais bien que la tourelle elle se soit un humain. Ce serait pas trop fun un personnage comme sur LOL, un personnage qui peut s'accrocher sur les autres comme sur LOL. En vrai c'est déjà merci hein. Mais c'est pas tout à fait merci. Moi j'imagine bien une espèce de slime gluant qui s'accroche autour d'un personnage. Et genre ça lui met un boost et du coup ils sont 4 mais il y en a un qui est boosté quoi. Yumi sur Overwatch, j'achète. En vrai, ça pourrait être sympa hein. Nice. Le gameplay AFK, ouais c'est clair. Hein. Mais ouais par exemple tu peux comme avec Yumi tu peux envoyer des stuns ou des trucs de compte, tu sais. Ça pourrait être marrant. Hein. Ça m'étonnerait pas qu'il le fasse un jour ça en vrai. Ce serait grave drôle. J'en ai parlé 15 fois en stream, et toi, tu fais genre, ça vient de toi. Je vais tout casser. Ah, Kalem, j'y peux rien si t'as pas eu une idée de génie, en fait, comme moi. En même temps, merci, c'est déjà un peu la Yumi d'Overwatch. Je suis un peu d'accord. Parce que Mercy, effectivement, c'est déjà un personnage qui colle à la peau d'autres personnages, en fait, qui n'existent qu'avec des teammates, quoi. Ou alors tu peux sortir ton gun, mais je veux dire, c'est très limité quand même. Du coup, c'est un peu la Yumi de Overwatch, en vrai.
déjà. Mais je pense qu'il y a une step d'au-dessus qui consiste carrément à juste s'accrocher, genre physiquement. Tu peux pas te déplacer, ou alors tu te déplaces très lentement tout seul, mais genre... c'est grâce aux autres que tu te déplaces, quoi. Et tu leur mets vraiment un buff de zinzin, quoi. J'avais dit un perso qui se colle aux autres. On n'a pas de smoker dans Overwatch. S'accrocher physiquement et pouvoir placer des smokes sur la map. En vrai, moi, des smokes sur Overwatch, ça m'étonnerait pas. Encore des stuns bien vénères comme sur Valo, ça me paraîtrait un peu vénère. Ça me paraîtrait un peu absurde. Mais des smokes, pourquoi pas, hein? Et Faucheur, il smoke pas. Après, c'est vrai que sur un jeu comme Overwatch, où est-ce que on bouge très souvent, on n'est pas très statique et tout, la smoke, c'est peut-être un peu naze. Et en même temps, pourquoi pas? Genre, tu caches tout un endroit, et comme ça, t'es sûr que les gens, en tout cas, ils vont pas être à cet endroit-là, quoi. Ça me paraît pas si con, hein. Ça me paraît pas si con. Qu'est-ce que je joue, moi, déjà? Ah oui, on est en Game Viewer. Je joue Genji. J'ai pas déménagé, non. Je suis chez mes parents. Je reviens voir ma mif. Et j'ai un setup chez eux, donc du coup, je me mets là, quoi. Du coup, ça change de décor, effectivement. Ah, j'ai failli la tuer, nice. Over l'a récupéré, mais normalement il va crever aussi. Ah, nice, la res. Ça, c'est cool. Un ult où ça fait le même effet que le poulpe dans Mario Kart sur les ennemis. Ah, où les gens ils peuvent plus rien voir. Ce serait un peu vénère peut-être sur Overwatch quand même. Hein. Parce que tu sais, sur Mario Kart, t'as une alternative, tu peux regarder la map un petit peu. Ah, en vrai, pourquoi pas, hein, ça pourrait être sympa. Ouais, effectivement, un truc qui obstrue un petit peu la vision. Why not? Tu crois, toi? On dirait vraiment que c'est un vieux stream, ça me fume. On est sur une ancienne map, et je suis sur mon ancien setup. On dirait que ce live, il date de 2019, genre. Nous sommes bien le 27 mars 2024. Ce n'est pas une rediff. Comme un ult de Widow, mais inverse. Ah, peut-être qu'il rétrécit ta vision, ouais. Ah, ça pourrait être pas mal, ça. Un peu cheaté, mais pourquoi pas. De ouf. FD, la bonne idée. Et en vrai, un smoker, genre vraiment un mec qui met des zones de brouillard sur certains endroits de la map, ça pourrait pas être stylé aussi? Mon Genji sert à rien, je suis mort. Oh, mon Genji sert à rien, je vais changer. OMG. Salut Batou. Essayez, elle me repique une idée, elle fait genre c'est la sienne. Mais c'est pour un TikTok, Kalem. Arrête! J-Pep! C'est pour un TikTok. Les gens de TikTok, sachez que c'est Kalem qui a eu l'idée, voilà. Tu veux que je dise ça dans mon TikTok? C'est Kalem, c'est qui Kalem? Bah. C'est Kalem, quoi! Ah, c'est Kalem, hein! C'est pour un TikTok. Mais oui, c'est pour un TikTok. Enfin! Vous avez pas que le top 500? Ouais!
Après, il a pris Baptiste pour être sympa, mais on se fait quand même... C'est ça le problème avec Anamora. Il suffit qu'il y ait un carré en face et ça... Il veut pas arrêter de nous flex dessus, l'autre, là. Je m'appelle Alix, je joue tresseur. Et ça y est, on a compris, hein. Connard. je rigole. Je rigole. Faudrait un champion avec un ultime permettant d'ajouter 500 ping aux autres adversaires. Oh, le perso de con. Mais à la limite, que son bras puisse rajouter du ping aux gens, ça me paraîtrait normal. Ça me paraîtrait RP. Bien joué! Je vais aller en sélection libre. Il m'a tendu là, la tresseur là. Je suis tendu, je suis comme ça. Prochaine fois équilibrer la game, ce sera bien. Déjà, Zofiane, tu te calmes. On avait normalement un master, il y avait moi, donc c'était plutôt équilibré, mais tranquille. Jouer à Nomura. C'est normal, ce live est en réalité un live. Qui date de 2019. Salut Yacine. Oui, alors attendez, parce que là c'est une dinguerie. En fait, je crois que je vais pouvoir débloquer le skin de Moira. Ça fait très longtemps que je suis pas allée voir le Battle Pass. On va voir ce qui se passe. Niveau 10 ? Oh, mais je suis sur mon autre compte. Comme je suis sur mon autre compte, en fait, je suis pas en train d'upgrade pour avoir le skin Moira. En plus de ça, j'ai même pas le battle pass. J'ai même pas le pass de combat payant. Oh non, je suis en POV pauvre. Je suis en POV, je paye pas le battle pass. Oh. Je suis à 22 000 de ça, là. Je suis à 22 000 de crédit. C'est beaucoup. On va voir ce que je peux acheter dans la boutique avec mes 22 000 de crédit. Mais. Ok, nul. Nul, nul, nul. Accès en cours à l'observatoire. Oh, pauvre POV, quoi. What the fuck. C'est lui qui a. Eh, j'aime trop l'humour de cette demoiselle. Eh, la demoiselle, là. Qu'est-ce que je joue? Ah, mais je suis en ranked maintenant. Alors, sachez que c'est de la sélection libre. Donc... Oh, on a 3 DPS. Non, mais attends, je suis obligée d'aller les engueuler. Je peux pas faire autrement. Non, non. Non, non. Hello? Hello, guys. Did you know that we are in open queue? And we can play tanks. Of course we did, we can. Yes, go switch. I swear. Please. Oh yes. Oh, let's go. Ouais, on a un tank. Let's go, thank you. La miss. La mistinguette. Alors, on est en open queue.
Donc, nous pouvons jouer 3 tanks. Switch tank. Junkrat, go tank, go tank. Oh, let's go. Oh, ils sont en train de switch. Je suis en train d'être écouté. Qu'est-ce qui se passe? Je suis choquée, là. Oh! Quoi? Je l'ai pas tué. Pourquoi je l'ai pas tué? Tu vas mourir! The point. Je peux tellement le buter, il est tellement là. Ils font les marioles, ils font les marioles. Si ça se trouve, la méta a changé. Non, la méta n'a pas changé. Non, je ne l'entends pas cet argument. Ah, la Moira, c'est clair, elle m'a trop aidé. Ok. Putain, il fait chaud là. Hé, hey, qui c'est qui est hot comme ça sur le stream là? Qui c'est qui est arrivé dans le chat et qui est hot comme pas possible? J'ai super chaud d'un coup là. Fou. Désolé, c'est ma faute. Ah. Ok, je me disais aussi. J'y pèpe là. Je suis au bout de ma vie. Ah, c'est pas concluant là, la strat. Hein. Ok, we group up and we gonna kill them all. We can group up. La game se passe trop mal, je chiale. Qu'il fait quoi? Je subis des dégâts. What are you doing, Ball? Are you stupid, Ball? Human. What are we doing? Okay, we can do something. We can all dive on them. Together and kill them. Okay? You can take Tracer, you can take... Oh, yes, yes! You can take Winston, you can take... D.Va, Lucio... Fast. Alors, Moga is not the... Votre valeur n'est qu'une hypothèse. Prouvez-la. Who wants something divey? Like you can fly, you can jump on the enemies. Donnons-lui ce qu'elle mérite. Can go Winston, yes. Ouais, ma Tracer, ça va parce qu'à la limite elle peut prendre l'escalier. Learn English. At least I'm speaking in the voice chat and I'm trying to win. Il m'a dit d'aller apprendre l'anglais, ce con. Excuse-moi, c'est pas ma langue natale? Je la parle pas parfaitement, en fait. Connard! Waouh, ce stream il prend une tournure là. Non mais ils sont cons aussi avec nous, nice.
Nice. Oh! Coucou. Déjà le troisième mois que j'avais payé en avance. J'essaierai de reçu quand la monnaie sera avec moi. En tout cas, merci. Tu m'aides énormément dans les moments difficiles. Un grand merci. Oh! Trop mimi! Mais c'est très gentil, Noé Mimi. Merci infiniment pour cet abonnement niveau 1, le troisième mois. Il n'y a pas de souci pour la thune. De toute façon, vous faites comme vous pouvez. Si vous pouvez, c'est cool. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Bah, ça me fait plaisir. Bon. Allez, on le fait. We can do it. We are the best. Around. Na 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 na. T'as bien raison. Ah bah nice ça. Super. Uzik. Where did you learn to play ball? In the Kinder Surprise? Helden sterben nicht. Il a dit chez ta mère. Quel connard. Regardez, chez ta mère. Mais quel fils d'up. Non mais attends. Attends, mais c'est toi qui me dis d'apprendre l'anglais alors que tu parles français. No way. Tu tires dans ton propre camp, je suis anéanti. Oh non. Oh non, 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 c'est pas possible. Ils tirent dans nos propres... Non mais vous rendez compte, si même les Français vannent les autres Français en termes d'anglais, on n'est pas sortis de l'auberge. On n'est vraiment pas sortis de l'auberge. Oh non. Non mais sur le point, il est allé se faire one shot. Non, non, c'est trop grave. Allez, vas-y, on y va. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Voilà. Je me casse de là, moi. Oh, ça m'a fait trop rire. Allez. Well done, guys. Don't forget to be nice and you're the best. You are the best. Around. Allez, good job. GG's. Sacré game. Ah, ça perd en légende aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Oh, Uzik avec son chez ta mère, il m'a trop eu. C'était trop drôle. Putain. Ah, c'est moi qui vais me faire ban encore, tu sais. Alors, je suis grave sympa avec tout le monde et tout. Bon, c'est pas grave, c'est mon smurf. Le plus important, c'est l'essentiel et c'est ça le principal. Tout à fait. Inversion, connard. Ils étaient meilleurs que... Non, on était meilleurs qu'eux. Vous aviez l'avantage et vous avez perdu. Mais comment j'avais l'avantage avec cette équipe de bras cassés, là? Il n'y avait pas un pour attraper l'autre. Uzik, il était là, il jouait avec ses... Avec sa nourriture, là. Il était en train de... Je sais pas ce qu'il faisait, là. Il faisait du tricot avec ses cheveux. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, là? Kiriko était complètement paumé. Ouais, en face, ouais. Une équipe de cons. Non, non, non. Bien sûr, que paix et amour. Uzik, si tu passes sur le live, bien sûr.
Je t'en veux pas pour chez ta mère. Je sais que tu le pensais pas. Non, pas en face. Ah! On a Kiriko dans notre team? Attends, c'était qui la Kiriko dans notre team? Parce que... Peut-être que je me trompe, tu sais. J'ai l'impression que c'est moi qui jouais Kiriko. C'est quoi cette musique, là? Oh, des gens pas bizarres qui prennent tank, oh, the dream. Oh là là, hello guys. Je vais leur dire bonjour. Hello. Hey. Let's win. Yes, exactly. Let's win. Tout à fait, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Je jouerai pas Doom pour perdre ma game, El Padre, c'est non. J'ai une tête de con avec ses lunettes, vous me l'avez jamais dit? Voilà, merci. La honte. On n'osait pas. Ah. Ok. J'avais quand même un délire avec mes lunettes pendant plusieurs mois et tout. Mais vous me diriez si j'avais des mauvais goûts. Après, qu'est-ce que le mauvais goût? Parce que tout est relatif. Chacun a le droit de se porter ce qu'il veut. Et d'être qui il veut. Il y a des poils d'Aria sous ma souris, c'est une blague. Ils m'ont eu. Il y a bien des gens qui jouent Yumi. Comment tu vas, les gens qui jouent Yumi, alors que ça a l'air super, Yumi. J'ai jamais testé. Ah oui, des poils d'Aria, oui. Rien à voir avec tes poils de doigts. Nice. Laiko, tu l'avais en face la game d'avant. Mais je vais lui rouler dessus cette fois-ci. Elle va comprendre que c'était pas moi le problème. En face. En face d'elle. Ramatra. Pourquoi il nous a crié dessus comme ça? Mais ça va pas.
Ramatra. Tu te calmes ? Par contre. Oh ! Je vais peut-être mourir. Ramatra. Ça a bugué, trop bien. Les sacs bananes, c'est pas du tout illégal, c'est tellement à la mode. Les sacs bananes, genre les trucs en bandoulière, ouais. Ou les trucs que tu mets à la ceinture, j'adore. Moi, en été, je porte que ça, parce qu'en fait, je trouve que c'est le sac qui va bien quand t'as genre juste un t-shirt et que tu sors tranquille et tout, t'as ta petite banane et c'est mimi, quoi. J'aime bien. J'aime bien. Pourquoi il a fallu que tu te découvres une conscience ? Après tout ce qu'on a vu, comment faire autrement ? J'ai la mémoire courte. Sauf pour ce qu'on me doit. Les sacs bananes, faut les porter de billets, sinon ça va pas. Je suis d'accord, tu les portes comme as. Et là, ça fait aventurier. Là, ça fait, tu vois, l'apéro à 17h. Il y a une vibe. Canicule, cocktail, festival, il y a un truc. Bière, yeah. Saucisse et claquette. Oui, moi j'ai surtout l'image du touriste en claquettes chaussettes avec la banane à la taille. Ah oui. Mais à la taille, c'est un peu cliché, mais en bandoulière, enfin tu sais, en. De travers là, c'est pas mal. C'est bien pratique en plus. C'est bien, bien pratique. Ils ont que deux tanks, j'ai l'impression qu'ils en ont 1000. Oh, pauvre Mouga. D'ailleurs, c'est Shazam. Comment ça? À moins qu'il stream, on peut pas savoir. Ouvrir en 4, je suis choquée. Oh le con. Ah ça c'est nice, ils ont utilisé Orisa, Anna et Faucheur. Oh mais l'épilepsie. L'évolution est un chemin. On est là pour mettre le feu. Ouais, faut vraiment qu'il switch Moga, effectivement, je suis d'accord. Le seum quand tu mets un squishy dans ta grave et qu'il meurt pas, quoi. Oh, j'étais là avec mes 250 HP dans sa grave et je suis même pas morte, genre. What the fuck. Et vous avez vu? Est-ce que vous avez vu que j'ai vu la cavalerie Overwatch faire un post disant que Blizzard réfléchissait, premier Doug, à faire du pick et ban sur Overwatch? Je sais pas si c'est une fake news ou pas, mais je trouve que l'idée est intéressante. Faire du pick et ban sur Overwatch, franchement, je pense que ça pourrait peut-être rajouter un truc, tu sais. Rajouter une dimension à Overwatch qu'il n'y a pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux prendre vraiment tous les persos que tu veux. Avec du pick et ban, tu devras peut-être plus te creuser la tête. Encore plus qu'aujourd'hui.
Nice. Mais puis quoi l'intérêt du jeu, c'est que tu peux switch. Peut-être du ban. Peut-être du ban. Peut-être pas du pick mais du ban. En mode tu peux ban, je sais pas, 3 persos en face. Et eux ils peuvent ban 3 persos chez toi, du coup tu peux pas jouer tu vois. En gros c'est avant de choisir votre perso, vous choisissez des persos à bannir. Pour la team adverse, du coup ça donne un truc en plus. Ah il est mort, ok. Mort, mort, mort. Let's go. Putain, on se faisait ouvrir en 4 sur cette map. Truc de ouf. Bof, pas fou, ça peut être assez chiant. Au pire, un mode à part pour... Ah ouais, pour essayer. Mais peut-être qu'ils feront ça, ouais, je sais pas. J'en sais rien. Après, tu sais, c'est un peu... on y pense, mais je sais pas si ça aura lieu, quoi. Et c'est pas comme si c'est nous qui allions faire le choix, de toute façon, mais... Mais je me disais que ce serait intéressant de poser les pour et les contre du délire, quoi. Perso, j'aimais bien le truc qu'ils avaient fait sur le 1 où il y avait 3 persos ban random par semaine. Mais le problème de ce qu'ils avaient fait, je crois que c'était pas random, justement. C'était en fonction des joueurs pros. Et le problème, c'est que t'alternais entre une semaine où est-ce qu'il y avait des snipes qui étaient ban, et la semaine d'après, c'était des pharas, des échos, des trucs comme ça, quoi. Donc en fait, tout ce qu'il n'y a pas... Tout ce qu'on te... On te ban, bah du coup tu joues le truc complètement inverse. Et comme ça c'est cheaté quoi. Ça rajoute plus de strat pour les pros. Mais en fait, je trouve ça intéressant à partir du moment où les bans sont pas les mêmes pour les deux équipes. Parce que si c'est les mêmes bans, bah du coup tu vas avoir les mêmes choses. Enfin c'est un peu... C'est un peu nulos quoi. Alors que si tu peux faire des bans en fonction des équipes, genre... Eux, ils ont ban ça et eux, ils ont ban ça. Ça peut être sympa. 71% de win, ouais, c'est beaucoup, mais c'est parce que je suis en calibrage et c'est de la sélection libre. Et j'étais pas mal classée la saison d'avant, donc c'est normal. Allez, je vais faire ma flexeuse. Saison 3. Je suis une ancienne. Et le problème, c'est qu'il y a des bans qui sont trop forts, donc ils vont tous pleurnicher en mode c'est pas équitable, gna gna gna. À partir, pour moi, à partir du moment où tu peux ban deux persos dans l'équipe adverse, et qu'eux, ils peuvent ban deux persos dans ton équipe, mais du coup, c'est à celui qui fait la meilleure strat, tu vois. C'est à celui qui fait la meilleure strat. Donc en soi, ouais, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ça pourrait être intéressant d'avoir un mode de jeu où est-ce qu'on voit du ban. On pourrait faire des Game Viewers où on teste ça. Ce serait marrant, non? Pourquoi pas des Game Viewers un peu équilibrés, du coup, hein. Et genre, deux équipes qui se connaissent bien de la commu, qui s'affrontent et qui bannent des persos en face, quoi. C'est l'heure de la pub. OMG, Salomé! Salomé qui veut mettre une petite pub. Alors, si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, n'hésitez pas à aller vous chercher un truc à boire. Ou un truc, ou faire une petite pause. Regardez le ciel bleu dehors, et puis comme ça, je vous mets une pub. Et comme ça, les personnes qui arrivent sur le live n'auront pas de pré-pub. De pub pré-roll quand ils arrivent. Ça, c'est cool. Comment ça se décide? 5 solo queue qui doivent se mettre d'accord sur 30 persos différents. Ah, tu poses un point là, c'est bien vrai ça. Ah, je sais pas comment est-ce qu'il pourrait faire en vrai. Ou alors tu fais 5 bans et chaque perso peut ban un perso de son rôle. Vous voyez? Du coup tu bannes 2 heals, 1 tank et 2 DPS.
Après, je trouve que le principe du ban, quand même, c'est aussi que derrière, tu peux pas switch ta compo, quoi. Parce que si... Je sais pas. Pour moi, ça va un peu ensemble, donc je sais pas comment est-ce que ça pourrait se faire pour que ce soit vraiment fair. Effectivement, je sais pas. J'avoue, je sais pas. Bibi. Sur LoL, tu ne peux pas changer de personnage en plein game. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Ça va. Tout, 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 loulou. Excusez-moi, je me suis perdue sur Twitter. Twitter, c'est vraiment... C'est négatif, quoi. C'est complètement négatif, hein, comme réseau. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Je suis sûre que vous vous étiez jamais dit ça, en vrai. Personne ne le dit jamais, donc... C'est rempli de malice. C'est ça, c'est un réseau malicieux. C'est des farfadets sur Twitter. C'est des chiens. Des chiens, les... Enfin, surtout ceux qui s'expriment, en fait. Parce que là, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui s'expriment de manière très... très sur deux et tout dans le chat, sur Twitter. Ma phrase veut rien dire, mais je pense pas que les concernés soient là, quoi. Donc, c'est ceux qui s'expriment qui sont les plus chiants. Mais je prends Tracer en sélection libre, mais qui suis-je? On peut arrêter leur avancée. Un take de fou, faudrait le réunir sur les réseaux. Putain, un coup de Twitter. Mais quel réseau horrible. La meuf qui arrive avec son discours, pas du tout. Personne n'est pas d'accord avec moi, quoi. Sur ce sujet-là. Petite Zarya, alors j'ai hésité entre heal et tank, mais étant donné qu'on a Moira, Vital plus Rodok qui peut se heal tout seul et tout, je me suis dit vas-y. Je prends une petite Zarya là, des familles. Ça va être bien sympa. Ah, il est con. Oh non, non, non. Au moins sur Twitter, j'ai gagné une monture. Sur FF14, je suis happy. Bien joué, ça. Et en vrai, FF14, j'ai bien kiffé, moi. J'ai vraiment bien kiffé. Je pense que pour les prochaines fois, j'essaierai vraiment de farm la quête principale plus en solo et me concentrer sur l'histoire et tout ça, je pense. Parce que là, les donjons, c'est sympa, mais c'est peut-être un peu... C'est pas non plus un... J'aime bien les donjons, hein, mais de manière raisonnée. Raisonnable.
Pas trop, pas trop. Un peu, mais pas pendant 2 heures. Je pense qu'on se concentrera plus sur l'histoire et les trucs, quoi. J'ai fait FF14 online récemment, j'avais des lives sponsors. Mais à vrai dire, c'était une bonne occasion de tester le jeu, en fait, parce que je sais que c'est le type de jeu que j'aime bien. C'est un type de jeu que j'aime bien. Je trouve que c'est chill et ça permet de discuter un petit peu avec des gens et tout. C'est Mimi, en fait. Et je suis contente d'avoir eu un live sponsor dessus. Enfin, 4 live sponsors dessus. C'était une belle occasion, quoi. Et j'ai passé vraiment des bons moments. Donc je suis contente. Twitter, c'était fun au début. Non, mais là, c'est trop... C'est trop le PMU, en fait, Twitter. 90% de charge! Salut, ciao. Ah, j'avais le Zenyatta qui me regarde, j'avais tout. Full troll et full misogynie. Ouais, bah, full raciste, full... Il y a trop de choses. Trop de choses. J'ai loupé la game sur Népal, tu l'as gagnée ? Game sur Népal... Oui, je crois. Oui, j'ai gagné. 2-0. Oh, merci. Nice. Il croit me faire peur le soldat là, Electromims. Ouais, télécharger Twitter, c'est vraiment... C'est une bonne chose de jamais l'avoir installé. Allez. Stop. La bubble qui tue en désert. Oh non. J'aurais bien aimé le tuer en mode « Hey, tu veux quoi toi ?» J'ai pas réussi. Vous croyez m'avoir comme ça. Oh, le sang de charge, il fait mal. On va les manger. Alors on a 2m55 de plus qu'eux. Je vais garder cet avantage. Il me tire pas dessus. Oh! Ah oui! C'est bon, les lasers, d'accord. J'ai 5 de charge, mais c'est tellement nul. Nice! Tu t'estimes la meilleure en quel rôle? Soutien. Soutien tous les jours de la semaine. C'est le perso que j'ai le plus joué, c'est le rôle que j'ai le plus joué, c'est le rôle que je préfère. Parce que tu peux DPS, tu peux aider tes potes tout en faisant du damage, en healant, tu peux vraiment faire beaucoup de choses, quoi. Bon, c'était peut-être une grave un peu de flemme. Oui, je vous l'accorde. Je vous l'accorde, c'était peut-être une grave un peu exagérée. Un peu de merde, on peut le dire. On peut le dire. Quand tu joues healer, tu les supportes ou tu fais juste du healbot? Ah, je les supporte. Q.
Quand te reverra, Jean. Oh! La peau. Nice. Eurodog. Ça me gratte le nez. Il nous emmerde, hein. Let's go! Ouais, il y aura une VOD du live, ouais, bien sûr. En parlant de VOD, les amis d'Internet, il y a la chaîne VOD sur YouTube qui est grave active ces derniers temps. C'est Kalem qui poche à fond la chaîne. Il s'en occupe, hein, concrètement. Wow, 71%. Et du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous follow sur YouTube. Elles sont publiées assez rapidement. Et c'est cool. Je vous montre ça. Mince. Ça, voilà. Donc, Anna et VOD avec des petites miniatures confectionnées par Kalem. N'hésitez pas à les complimenter dans les commentaires. Ça lui fera super plaisir, bien sûr. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette miniature! J'ai cliqué sur la vidéo grâce à la miniature. C'est factuel, évidemment. Mais voilà. Anna et VOD, la chaîne, reprend sérieusement du service. Et comme vous le voyez, c'est publié chaque jour une nouvelle VOD en fonction des streams qui ont lieu récemment. Et voilà. Tout simplement. Et aussi, là, je vais publier vraiment beaucoup de vidéos YouTube sur ma chaîne normale. Donc n'hésitez pas à venir, ça arrive dans les prochaines semaines, là, à la fin de la semaine, je pense. Et puis à chaque fois, chaque semaine, là, je pense vraiment que ça va spammer d'ici la fin, d'ici mi-mai, je pense que vraiment ça va spam toutes les semaines, donc n'hésitez pas à venir. La meilleure minia égale kebab. Non mais je te jure, avec la tête chauve là, quelle horreur. Oh! Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Petite chaîne VOD, quoi. Tranquillou. Et oui, du coup, effectivement, ça risque de faire une transition vers les VOD réservés aux subs sur Twitch, mais du coup, qui sont quand même dispo sur YouTube. Parce que je me voyais pas faire la transi sans vous proposer une alternative gratos, quoi. Voilà. Il y a des trucs qui arrivent, ça fait plaisir. Effectivement. We go again. J'ai envie de faire un mode d'arcade un peu à la con, là. Venez, on fait un duel limité, et si je gagne, on fait une prédiction. Duel contre un inconnu, et on fait une prédiction. J'ai vu une VOD 2 heures après. Ou plus, NF. Vu que je suis peu... Sur Switch, surtout... Oh, j'arrive pas à lire, what the fuck. Je regarde beaucoup les VOD. Ok. My iPad. C'est le Kaito. Ouais, je comprends de ouf. En fait, il y a aussi mon ref qui est comme ça. Il regarde beaucoup de streams en VOD sur YouTube. Mais très peu de streams en direct. C'est assez particulier. Mais en même temps, je comprends parce que... au moins le truc il est fini, c'est un produit fini qui a été peut-être un petit peu retravaillé et c'est un format long comme le live mais pas vraiment en live donc tu peux le regarder, enfin c'est peut-être parce qu'il est pas dispo aux horaires et du coup tu peux le regarder quand tu veux.
Donc je comprends tout à fait, ouais. C'est d'avoir un contenu un peu long qui te suit dans ton dans ta journée, mais pas non plus... où t'as pas besoin d'être giga actif pour comprendre ce qui se passe. Et en même temps, pas un truc trop dynamique non plus, quoi. Prédiction, les amis, est-ce que je gagne ce duel de cons ou pas ? Anna contre... Fire PGM 386. Putain, il a Tracer, j'ai Reaper, ça va pas être marrant. Hein. Je voulais pas du tout faire ça. Ok, c'est pas grave. Mon choix de perso a pas été très smart. Allez, we go again. Allez, on y croit. Là, c'est évident. Le choix est évident. Entre Tracer, Faucheur ou Soldat 76. En fait, à partir du moment où il y a de l'auto-heal, c'est trop cheaté. Attendez, du coup, vous pariez pourquoi ? C'est quoi vos points de chaîne, là ? Vous mettez l'inconnu ? Oh, vous êtes à 61% pour l'inconnu ? Ok, ok. 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 Il a pris quoi ? Un Tracer encore ? Il croit trop, c'est la fête. Ça paraît cool, non ? Il recoule pas ? Est-ce qu'on reprend des PV dans ce mode de jeu maintenant ? Oh, on reprend des PV, mais c'est trop facile ! C'est trop simple. Oh. Allez là. Sors de ta tanière. Soin en place. La dépression du 1v1. Non ! Mais allez ! Mais il fait le rat, il fait le rat, il est comme ça. Et c'est lui qui gagne. Cet écho, hein. Echo s'y mettra, je sais pas. Echo s'y mettra, Echo s'y mettra, Echo s'y mettra. S'y mettra, allez, c'est bon. Ah si, il prend Echo, j'ai trop le mort. Oh! Place au combat. Je positionne une tournée. Je vais pas du tout faire ça, quoi. On va voir comme c'est fun.
Putain, il a mis un XD. Je vais rigoler avec lui. Je rigole pas du tout avec lui. Orisa. Non mais attends, il y a Orisa dans ce mode de jeu. Mais qu'est-ce que t'es censé choisir là? J'ai envie de choisir Widow. C'est ça mon toxic trait. Allez. Beau jeu, on joue le beau jeu. À tous les coups, il va prendre Orisa, ce gros rat. J'en peux plus. Oh! Oh! Ok, vous êtes prêts? À peine trop tôt. Allez, Widowmaker. Allez, je gagne pour les Believers. Je suis obligée de prendre son bras. Je peux pas faire autre chose que son bras là, parce que il prend Bastion. Non, c'est trop fort de se d'être invisible. Slay, 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 slay. Allez, c'est parti. Mon skin, par contre, il est pas ouf. Ah, ça va être... Par contre, un V1 de son bras, t'as pas l'air con, quoi. T'as vraiment pas l'air con. Je suis sûre, on va se creuser un moment. Oh là là. Oh la gueule du V1, je chiale. Oh, le fun. Le fun est à son paroxysme durant ce 1v1, messieurs, dames. Quand est-ce que je m'arrête d'avoir autant de fun, là? S'il vous plaît, aidez-moi. C'est la vitesse d'abord, pas de panique à bord. C'est les rats qui sont là pour ça. Yo, 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 yo. Je suis un rat qui fait du rap. Bon, il est où? Let's go! I will cry. Moira. Tous les jours de la semaine, Moira, 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 Moira. Tous les jours de la semaine. Pour un 1v1 qui se passe bien, il faut jouer Moira. Salut Emdo. C'est pareil, si le fun, effectivement. On s'éclate, on est complètement dingo, hein. Ici, c'est... Hein? Eh, crazy ou quoi? Non, c'est un random. Je me suis dit que j'allais affronter un random. Un soupçon de poison. Non, Moira, c'est trop cheaté, faut prendre Moira. C'est combien de rounds pour gagner? C'est 30, je crois. C'est 30. On va vite y arriver, en vrai. C'est... Vous avez 2 heures, là? Je sais pas quoi jouer. Moga, hache ou saut de journe. Vas-y, pour Moga. Il a 575 HP, mais c'est cheaté de jouer tank dans ce mode de jeu. C'est cheaté, j'ai 575 HP. Non mais c'est trop fort.
Un verre de con, je chiale. Ouais, j'ai gagné. Trop dur. Eh, hey, c'était dur en vrai. C'était genre impossible presque. I see you are master. Master in soup. Pourquoi il était quoi lui? Je l'ai défoncé. Les believers, prenez vos thunes, messieurs, dames, régalez-vous. Régalez-vous. Il était fur. Quoi? Koubé? Quoi Koubé? Quoi Koubé? Alors, il était quoi, lui? Aïe, 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 on sait pas. On ne peut pas savoir. Quel dommage. Messieurs, dames. Messieurs, dames. Messieurs, dames. Il va être l'heure pour moi d'aller mangiare. Mangiare, c'est bon, c'est bien pour la santé. Si je cut, Sharon, pourquoi? Bah si. Quoi couper? Faut bien que j'aille manger. Et si? Demain, on fera du valo. Les copains. On tressera Clove. Si vous voulez venir, on viendra. On pourra peut-être faire des game viewers. Puis on ira peut-être à un moment donné sur Overwatch aussi. Je pense qu'on fera un petit mix demain. Mix and twist. On fera un peu d'Overwatch au début. Puis après on ira sur Valo, sur le temps de midi. Comme ça vous pourrez venir jouer. Allez, on se fait ça. Bah, merci à tous d'être venus sur le live. C'était très sympa aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment, bien sûr. Des gros bisous. Portez-vous bien. Bon mercredi après-midi. Je vais vous envoyer en raid chez FD God, je pense. Chez FD God. Joueur chaud au jeu, si vous voulez apprendre à jouer Lucio. Oh. Ou support, n'hésitez pas à le regarder, vous inspirer. Hop. FD God. Bah allez, hein, portez-vous bien. Merci à tous, c'était vraiment super aujourd'hui. J'ai passé un super moment, alors même qu'on joue à Overwatch. Ah ça, ça fait plaisir. Sachez que Overwatch, on y joue généralement le mercredi matin, comme aujourd'hui, et le vendredi, non, le samedi dimanche. Voilà. Et le dimanche, ça nous arrive de faire des game viewers un peu stylés, un peu drôles. Donc n'hésitez pas à passer, bien sûr. Voilà. Des gros bisous. Bisous de Tata Chrissy. Au revoir, la VOD YouTube. Salut. Et merci à vous qui regardez les VOD YouTube. C'est super. Allez! Allez, des bisous! Allez! Salut la team! Merci à tous! Bon mercredi! Oh! Alors, c'est l'ancien overlay, hein, mais c'est stylé quand même!